Il y a fort longtemps, moi, Moïse, ainsi que tout le peuple hébreu que je guidais, nous avons fait une halte dans la ville de Moab. Là-bas, les femmes moabites et madianites nous ont fait découvrir leurs traditions. Et pour cela, on a fait de grosses orgies. Ah, qu'est-ce que c'était bien! Mais c'était péché! Vilain! Vilain Moïse! C'est de la faute de ce conte de vin mésopotamien, là, Balaam. Il fait moins le malin maintenant qu'on l'a buté. Ainsi que toutes ces chaudasses. Toutes ces femmes impures qui nous ont entraînés dans la débauche. Pff, catin. Oh, c'est dommage quand même. Elles étaient sacrément bonnes. Pardon? Ah oui, oui, on les a exterminées. Tu ne tueras point? Oui, mais là, c'est la débauche. C'est pire! On a sauvé leurs âmes. Ah là là, à croire que toutes les divinités mésopotamiennes, on les vénérait par de grosses orgies. Ils savaient s'amuser, eux au moins. C'est quand même mieux de s'envoyer en l'air tous ensemble que... Plus près de toi, mon Dieu... Bref, aujourd'hui on va parler de Belphégor, que l'on appelait autrefois Baal Péor ou Baal Fégor. Son nom est composé en deux parties. On utilisa le titre générique Baal Béel, qui signifie maître, seigneur, et qui accessoirement est le dieu des Phéniciens, et de Fégor, Fogor, Péor, car on le vénérait sur le mont Fégor, Péor, et Fégor veut dire grotte, crevasse, et qui peut également faire allusion à l'entrejambe féminin. Il est donc vénéré par les Moabites et les Médianites comme dieu de la fertilité, son idole étant d'ailleurs un bon gros chibre. On le vénérait par des orgies et des sacrifices, la base, et d'après certains rabbins, par des déjections. Cool ! C'est pour ça qu'il est parfois confondu avec le dieu Paix ou Crépitus, dieu des flatulences et des paix. Oui, il y a un dieu romain des proutes, tout est normal. Il est cité plusieurs fois dans l'Ancien Testament, à chaque fois pour parler du passage des Hébreux chez ce peuple, parce que la Bible aime raconter 50 fois la même chose. Et que l'on retrouve dans le livre des Nombres, le Deutéronome et Osée. Les Hébreux passèrent sur le mont Péor et trouvèrent le peuple très accueillant, surtout les femmes qui étaient très ouvertes. Mais pour une bonne raison, c'est en l'honneur de leur Dieu. Et si c'est pour Dieu, c'est ok. Du coup, peu à peu, les Hébreux commencèrent à vénérer ce Dieu, à lui faire des sacrifices et à copuler en son honneur. Bon, au bout d'un moment, Moïse y gueule. Wow, 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 je sais que c'est cool de faire zizi pampan alors que le grand patron il aime pas trop ça. Je vous ai laissé un peu vous amuser, mais c'est bon, fini les conneries. Vous vous êtes bien vidé, maintenant butez-moi tous ces impies. On adore qu'un seul dieu quand même, le seul et l'unique. Du coup, ils tuèrent tout le monde. 24 000 personnes. Ouais, ça rigole pas. Le culte à ce dieu s'est quand même perpétré sur le mont Péor pendant des siècles. Et malgré le fait que le peuple soit devenu babylonien, perse, grec, romain. Il continuera encore jusqu'en l'an 106. Dans les casernes des Equites Singulares, les gardes à cheval des empereurs romains, des hommes choisis parmi toutes les nations de l'Empire, on a retrouvé des inscriptions qui laissent à penser qu'il y existait toujours, sous le nom de Jupiter Béelphalus. Pour Saint Jérôme et plusieurs pères de l'Église, le culte de Belphégor est assez similaire à celui de Priap, dieu grec. Fégor serait d'ailleurs le nom hébreu de Priap. Et j'ai envie de vous parler de Priap, tiens, juste pour le plaisir et votre culture. Mais surtout, parce que c'est drôle. C'est un dieu de la Grèce antique, un dieu de la fécondité. Et ça, c'est le plus important. Il est représenté avec une bite énorme, le truc c'est un gourdin. Même Rocco, il en a pas une aussi grosse. Un membre comme ça, tu veux pas te le prendre dans le cul. Mais le con, il peut pas en profiter. Car si je dis gourdin, c'est pas seulement à cause de sa taille. C'est parce qu'en plus, son phallus est en bois. Un dieu god, le god god. Du coup, il peut pas profiter de son énorme engin. Bon après c'est quand même un peu bien fait pour lui, car c'est sa punition après avoir essayé de violer une déesse. Un nom de maladie est d'ailleurs issu de ce dieu, une maladie qui touche les hommes, le priapisme. Et qui est une maladie bien chiante, mais surtout dangereuse, qui fait que ton membre reste en érection pendant des heures, comme si tu t'étais enfilé toute une boîte de Viagra. Enfin bref, je diverge. Verge. Passons maintenant à la démonologie. Autrefois un ange de l'ordre des principautés, il est maintenant le démon de la paresse d'après saint Thomas d'Aquin. Et je peux vous dire que vu la feignasse que je suis, je dois être sous son emprise. Bon, en vrai je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a bien la paresse dans le sens être une feignasse, mais aussi la paresse spirituelle, la cédie. C'est quand tu n'as plus le courage, plus l'envie de faire tes prières. C'est en quelque sorte quand tu perds la foi. Il possède le titre d'ambassadeur de l'enfer en France. D'ailleurs, il résiderait dans les catacombes de Paris, mais j'y crois pas trop. Après tout, il préserverait et protégerait la culture érotique de France. Du coup, il doit rester dans un endroit bien plus sympa à Paris. D'après le De Prestidigis Daemonium de Janvier, c'est le maître qui baille, celui qui ouvre, le maître des ouvertures et des fermetures.
Il permet aux humains de faire de grandes découvertes et de faire des inventions ingénieuses, ce qui les rend riches et leur permet de devenir encore de plus grosses feignasses. Il pousse à la misogynie et nous pervertit dans la luxure. La représentation de Belphégor la plus connue est celle d'une créature très moche assise sur un trône. Il ressemble pas mal à un vieux avec une longue barbe, deux cornes, des ongles très longs aux mains et aux pieds, et il se tient la queue. Il est également toujours représenté avec la gueule ouverte en référence à son nom. Mais pour séduire, il ne prend pas cette forme, bien évidemment. Il prend l'apparence d'une belle jeune femme pour nous séduire, nous, les hommes, tellement faibles à la vue d'une belle jeune femme. Un démon bien coquinous, Belphégor. Démon de la paresse, mais pas quand il s'agit de copuler. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et moi, je vais aller prier pour Belphégor.